Voici la perfusion primaire qui perfuse sur la pompe de mon Mani à 60 ml/h. Nous allons maintenant partir la perfusion secondaire. Un volume de 100 ml à perfuser en 30 minutes, donc à un débit de 200 ml/h. Nous allons redescendre la perfusion primaire et partir la perfusion secondaire, tout en n'oubliant pas de déclamper notre... Et vous allez voir le mélange des couleurs. Donc, la perfusion primaire ne perfuse plus. Et vous avez maintenant la perfusion secondaire qui perfuse.